Ancien Premier ministre, Dr. Claude Joseph, Depatcha, Dr. Gary Conille. C'est des docteurs. Vous payez ça. Vous êtes médecin. Ça, vous venez faire dans la politique même. Et c'est là le problème, non, hier. Eh bien, Dr. Claude Joseph, déshabillé, Gary Conille. Claude Joseph parle avec Ozea. Et le m'attendel, vin comprendre en pile. Proverbe ça, que grand-mam te toujours qu'on a répété devant. L'el dit comme ça que c'est leur cabret la collé. Ou pas qu'on vrai mettre bœuf là avec colonne gang qui te vole au bœuf là. Et mais définitivement, j'en m'dap dit nous avant hier, vrai visage Gary Conille, li paraît et nous commençons à comprendre ni. Moun que Gary Conille, vrai visage liant, définitivement, la paraît clair devant nous. Et ça que m'te dit nous, si Haïtien te comprenne et taille ou, dans l'état à vivre dans Port-au-Prince là, je garantis que Gary Conille pas capable de mettre Zagol dans le pays d'Haïti. Période. Nous prenons le temps de Claude Joseph. Nous avons un problème avec Claude Joseph. Je connais ça. Tout le monde a une position par rapport avec Claude Joseph. Nous classons ça. Nous avons une tolérance nous-mêmes. Mais par conséquent, où est-ce qui a passé dans le pays là? Un seul bagaille qui a retiré là-dedans. Peuple là. Qui vous prend une décision réelle pour éradiquer total capital, classe politique ça. Tout d'abord, avant que nous ait le temps de Claude Joseph, qui a une conférence de presse, qui a vu Gary Conille, je vais prendre nous écrire ça dans l'espace commentaire pour moi. Liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Info Beto à l'appareil. On a le temps de Claude Joseph, parce que il y a un pile causé qui a parlé dans la République, et bien nous-mêmes, il faut que nous tendions avec un pile intérêt. Claude Joseph à l'appareil. Pour déplacement, chaque grève journaliste, premièrement, siège social, parti politique aidé pour couvrir conférence sur la presse. Un moment difficile, à booster information pour population, pour capable de meilleures décisions. Donc, je voulais féliciter courage qui est extrêmement difficile au moment qui est marqué par une incertitude. Et dans le moment d'incertitude, c'est force politique, c'est parti politique, c'est organisation dans la société civile là qui est là pour montrer chemin. Allez bien, oui. Ça fait aider les engagés pour le développement à continuer à jouer rôle avant-garde li bon côté peuple haïtien. Place pas aidé, place pas nous, c'est bon côté peuple haïtien. Après départ régime qui s'est passé là, population t'attend un apaisement. Population t'attend un soulagement. Mais l'espoir peuple a tap caressé a pas semblé prêt pour arriver. Après plus que 100 jours, gouvernement Gary Conille continue à marquer pas sous place. Grand goût et misère pas suspendre taille bandale dans le ventre peuple là. Pour insécurité à même, nous pas qu'à parler. C'est dans le contexte misère à augmenter. C'est dans le contexte insécurité à valer terrain. Moun pa ka lan grand sid. M. Gary Conille célébré en grand pompe. 100 jours dans la tête gouvernement. Yon bilan meg qui célébré en grand neg. Célébration 100 jours ça, c'est une provocation pour peuple haïtien qui n'a misère. Une célébration 100 jours pour faire M. Gary Conille bien paraître, même si Haïti prête pour disparaître. Moi, ça t'a, Dr. Claude. Économie pays a connu 6e année consécutive de croissance négative. Toute projection qui est disponible confirme tendance à. Bon côté gouvernement, pas de aucune mesure concrète qui prévoit
pour inverser courbe croissance ça. Pour preuve, au monde qui a suivi bien, l'aide cadrage raté budget 2024-2025 là, la donne pas gagné aucune projection qui est établie. Pas gagné aucun objectif chiffré dans l'aide cadrage ça. Est-ce que nous devons conclure que le gouvernement ça pas gagné aucun objectif sinon que propagande, sinon que marché monte descend. Inflation il y a pire au niveau que nous pas jamais connaître. C'est 30% lié d'après dernier statistique IHSI. Pour produits alimentaires eux-mêmes, inflation a environ 43%. Alors que 50% compatriotes nous à vivre en insécurité alimentaire aiguë. Yon bilan meg qui célébré en grand neg. Célébration sans joussa, c'est une provocation pour le peuple là. Nous tous journalistes nous ouais. Gros photo dans gros hôtel pour célébrer 100 jours misère, 100 jours insécurité, 100 jours incertitude, 100 jours moment difficile. Propagande, c'est pour première fois dans l'histoire transition un pays, un chef gouvernement utiliser propagande dans niveau ça pour les cacher, essayer de cacher misère peuple. Et nous voir ça dans tentative boycottage participation président CPTA dans 79e session Assemblée générale l'ONU dans New York. Ça c'est dernier goutte d'eau qui renverse vase projet pour craser CPTA primatique nostalgique de exécutif qui une seule tête primatique nostalgique de exécutif monocéphale. Projet primatique c'est projet pouvoir total, un pouvoir absolu. C'est pas pour ça. En fait, c'est pour ça nous pas jamais dans l'histoire pays a j'en so dit là un chef gouvernement propagandiste à niveau ça. Ça peuple a besoin dans moment n'a parlé là, c'est sécurité, c'est un apaisement, c'est élection, c'est une autre constitution. C'est pour ça parti politique aider tes batailles pour accrocher transition. Comportement chef gouvernement mettez en pile acteur en doute sur capacité pour apaiser misère peuple, faire élection en transparence et la tri. Nous ça déjà. Nous tout connons comment le passé. Et défaire déjà si nous pas corriger situation ça peuple haïtien aider a toujours été bon côté nous peuple haïtien aider a toujours charrier revendication nous. Merci en plus. Voilà bon pour ça qui fait alors m'a fait nous connaît et Gary Koni parle tout on va faire nous entendre Gary Koni tout à l'heure. Parce que c'est un pile causé. Je dis à son émission. Alors, son petit on flash, m'vin ba nou là, sur ça qui a passé et ça qui a gagné en actualité. Hein. N'a pas couru, tandis une première intervention, en tant que Dr. Claude Joseph qui t'a fait alors recevoir question, répondre question journaliste. Nous allons attendre parce que nous allons être chargés. N'a pas suivre, et gros causé, oui. Parti politique aidé, compromis à RED. Faut que je vous donne d'amour. Ah ouais. Ak membre fondateur parti politique aidé qui représente nous dans le conseil présidentiel là, c'est une page tournée. Nous souhaitons bonne chance à camarade nous Smith Augustin. Nous croyons qui gagne un pile avenir politique et professionnel
malheureusement, il est tombé dans une situation qui n'est pas intéressante. Pour protéger le processus transitionnel là qui est déjà trop fragile, aider, mettre le bon côté l'histoire. Parce que je dis à force politique, force dans la société civile là, nous gagnons une responsabilité historique pour transition ça, cette dernière transition pays à vivre. Est-ce que vous mettez le bon côté compromis avec l'autre parti sous remplacement? Est-ce que nous entendons sur ça? Nous sommes des acteurs politiques responsables. Nous gagnons face à nous une situation qui est capable de dire extrêmement difficile. Gagner un rôle pour acteur politique qui joue pour être capable de jouer un dénouement heureux à la crise là. Aider, je vois pas là déjà. Aider, travailler ensemble avec partenaires internationaux et nationaux pour nous capables de jouer un dénouement heureux à la crise là. Merci. Nous-mêmes, nous avons aidé les engagés pour le développement, nous situer nous du bon côté de l'histoire. Nous sommes là pour nous protéger, nous sommes là pour nous assurer que le conseil présidentiel là, les fonctionne bien et que la transition ça, c'est la dernière transition que le pays a pour nous. Merci à vous. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler de position parce que quand tu sais un coup d'état, il y a Bay Smith et on sait maintenant qu'il y a un député placé. Merci à Bill. Voilà, c'était Claude Joseph qui était venu bah, en conférence de presse. Alors, et avant nous faire peut-être un commentaire, on nous court de Gary Coney tout. Et Gary Coney, nous connaissons qui est déjà New York et qui parlait dans la radio et dans le micro Gary Pierre-Paul Charles. Nous allons attendre qui ça que Gary Coney dit parce que. Et comme là qui va finir trop clair, est-ce que vous comprenez? Moun qui prend le dossier la main, qui va. Nous avons parlé tout à l'heure, nous avons fait entendre et Gary Coney. Ok? Nous avons fait entendre Gary Coney qui est déjà dans New York. On a le temps de Gary Coney dans le micro Gary. Sous-régional, c'est vraiment une ambiance côté que vraiment vous profitez, côté où il y a tout le monde là. Normalement, pour t'a rencontrer, tout le monde qu'on a rencontré dans la session Assemblée Générale, la session ça, la semaine ça, il faut t'a fait des semaines de voyage, des heures d'appel téléphonique, il faut t'a dépensé un paquet de corps pour rencontrer. Donc, depuis des années, Assemblée Générale a une opportunité ça pour chef d'État, pour chef de gouvernement, venir et profiter, faire avancer l'agenda. Donc, nous venons là, je dis à Gary, justement, c'est pour ça, c'est pour nous faire des rencontres bilatérales, nous venons comme étant partie de la délégation du présidé par le président Leblanc, pour nous-mêmes, nous venons profiter, faire contact, faire dialogue, faire réseau avec national. Marchez-moi, dans nos pays. Organisation internationale pour nous discuter de dossiers haïtiens, pour nous rappeler et mettre dossier haïtien sous table, pour nous rappeler le monde entier que nous avons des engagements envers Haïti, pour nous dire partenaires que nous avons vision, nous avons idées, nous avons stratégies et que faut qu'ils supportent. Nous, il est vendredi soir, déjà nous faisons une première rencontre avec des experts de haut niveau de l'Université Columbia qui offrent pour nous assistance technique pour nous réfléchir sur des dossiers très difficiles, concours sécurité alimentaire. Comment pour nous faire réforme administration publique, comment pour nous garder question sécuritaire. Le samedi matin, nous participons au panel avec le président Malawi, avec l'ancienne directrice et PAM, pour nous discuter de problèmes de sécurité alimentaire. On est qu'en Haïti, presque 50% de la population en insécurité alimentaire, Gary. On est qu'il y a plus de 2 millions de monde qui a souffert de malnutrition avec des conséquences très graves sur la santé. Nous avons un taux d'anémie qui est excessivement élevé. Nous faisons une grosse réunion avec le président Malawi. Et Malawi, c'est un des pays en Afrique qui fait des avancées assez intéressantes dans la question de production agricole et dans la table. On a discuté avec l'expérience de situation haïtienne. Hier, Gary, nous rencontrer avec le cadre supérieur Banque mondiale pour nous discuter de cadre de coopération avec Banque
pour informer banque là que la situation n'a pas entré là, la situation d'urgence n'a pas entré là, la situation sécuritaire, le cadre d'action que n'a pas sécuritaire, n'a besoin de banque mondiale qui est flexible, qui est capable de démobiliser les ressources, qui est capable de venir aider nous mettre en place les infrastructures qu'il faut. Et les idées, les discussions que nous avons eues ont été très, très bien reçues. Hier après-midi, nous rencontrons avec un partenaire clé, premier ministre Jamaïque là, comme nous connaissons Jamaïque, pour aller aider nous déployer non seulement des polices, mais aider nous déployer des bateaux pour protéger BA et nous voyons ça 4 000 là avec bandits qui a attaqué bateau en haute mer. Et nous joignons que solidarité a là tout à fait. Nous discutons de modalités de déploiement, de timing, nous discutons de problèmes transfrontaliers, qu'en coup, le fait que les armes cap sont Haïti à la Kaili, nous profitons pour parler d'une situation contingente embêté. Nous, c'est un groupe de monde, qui prend bateau. Il y a un petit retard dans la gestion de dossier pour mettre que vous pouvez faire diligence. Et je dis à type de réunion, ça y est. Continuer. Pressé pour le bail mental. Pressé pour le bail mental. Session avec Premier ministre Trudeau, Captain Adam, chef d'État, chef de gouvernement, discuté de situation d'Haïti. Mercredi, ma famille, mon session avec le secrétaire d'État Blinken. Mercredi, n'a pas organisé une grosse session que nous-mêmes, Haïti, n'a pas organisé avec financement la BID, qu'on dit que non seulement il y a un problème de sécurité. Alors, on a pu. Napte de Garigoni. Tellement bien mentif. Seul bagage qui définit Haïti. Haïti, c'est un pays qui a des opportunités extraordinaires d'investissement, particulièrement dans le nord et dans le sud. Nous déjà gagné plus de 5 quelques mondes qui intéressent à venir dans cette chance-là. Nous avons rencontré l'autre bilatéraux autour, l'autre pays, pour nous pousser, pour nous avancer. Solidarité internationale. Scoop! Allô? Scoop! Oui, je suis là, je t'écoute. OK. Oui, maintenant, Premier ministre, et nous t'en et tout le temps quand on fait le bilan, maintenant, la question, c'est que, en fait, il y a une information. Nous avons confirmé pour nous, est-ce que finalement, président Edgar Leblanc-Fils a pointé? Malheureusement, beaucoup parlé avec le président Leblanc depuis hier soir, mais l'information que m'a pris dans la presse, c'est que les États-Unis engagent pour offrir au président Leblanc toutes les courtoisies offertes aux chefs d'État quand ils sont en visite aux Nations Unies, ce qui était une bonne nouvelle. Après, rappeler, Gary, que depuis avant de partir, de sortir une note de presse, côté que m'a expliqué que m'a fait partie d'une délégation qui présidait par le président Leblanc, m'a coordonné des voyages là avec le président Leblanc, et de présentation de Wolpam. Tu connais que ça t'a fait. Et évidemment, nous-mêmes, nous arrivons et puis nous avons continué de travailler. Évidemment, nous connaissons que il y a deux conseillers présidentiels qui citent New York en ce moment. Un conseiller présidentiel Voltaire qui cite déjà, mais nous ne savons pas si le conseiller présidentiel là entend tout que le président Leblanc a venu quand même. Oui, mais en plus, le monde a interprété que c'est où pour parler parce qu'il y a un petit problème côté service secret, tu es refusé la sécurité quand même. Non, je crois que c'est là qui peut-être tu as une petite confusion, là, qui président. Dès le départ, nous-mêmes, il était clair pour nous que c'est président Leblanc qui est chef de délégation, ou elle, en note de presse, nous. Et à ce titre, évidemment, c'est lui pour rencontrer secrétaire général, et c'est lui en général tout pour faire discours des Nations Unies. Évidemment, nous-mêmes, nous appelons en première ligne pour nous appuyer, pour soutenir et pour nous applaudir au nom de Haïti. Maintenant, nous remarquons rapidement que. On décrète que sorti, on parle du conseil électoral là, il y a 7 membres qui dit l'idée de gagner 9. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement? Est-ce que déjà toute structure met en place pour au moins aller vers les élections? Justement, mais en revenant rapidement tout sur la question, ça a rappelé que le fait que son pratique assez courante, Gary, que le premier ministre a venu avec le président Ungas, ça a été fait avec Boniface Latortue, ça a été fait avec Mantelli, son pratique qui est assez courante et dans tous les cas, toujours bien, tous les moyens qui met à disposition de délégation pour qu'il fait travail et son travail de complémentarité. Mais sur ta question, effectivement, Gary, il était absolument important pour nous pour avancer sur
sur question conseil électoral. Au point de mandat à coûte, c'est 16 mois. Il faut absolument que Haïti gagne les élus le 7 février. Nous pas grand pile temps. Nous pas qu'à perdre du temps. Il y a déjà perdu trop de temps sans élus. Il faut que la population qu'a prononcé, que le cap prenne des stèles en main. C'est pour ça que je suis très content que le conseil présidentiel a fait tout effort que le capable pour le ban au conseil électoral là, que je l'espère qu'il va installer très vite. Nous-mêmes, le gouvernement, nous déjà prenons disposition pour financer, nous déjà prenons disposition pour nous balle appui logistique, nous déjà prenons disposition pour nous balle tout accompagnement que le besoin. Donc, dès que CEPA fonctionnel n'a pas commencé à avancer à toute vitesse sous question électorale, évidemment, pendant qu'on a résolu le problème sécuritaire. Maintenant, le pays a reconnu qu'il a changé le magistrat et directeur général, puisque en plus où il a circulé, côté il a pensé qu'il y a un problème sérieux en termes de nomination, parce que finalement, par exemple, quand il fait une nomination, CPT a gagné beaucoup d'entendre tout ça, le magistrat a gagné des cartels qui pas gagné qui l'a gagné parti. Donc, qui décision pas prendre, parce que vraiment, le gouvernement a CPT a un retard par rapport à l'agenda, nous te dit que nous avons pour faire élection rapidement. Merci beaucoup pour la question. Ça, effectivement, il y a à peu près 2 semaines, en tant que ministre de l'Intérieur, moi présenté avec l'équipe de CPTA situation Mairio. Il y a presque moitié Mairio qui ont un niveau de dysfonctionnement. Et nous présenter au cas par cas avec une analyse de chaque camp particulier. Chaque manqué un membre, chaque manqué 2 membres, chaque manqué 3 membres, chaque bien gourmet interne qui fait que Mairio est dysfonctionnel. Et nous faisons proposition tout bas CPTA sur comment nous croyons nous faire changement de manière progressive. Mais surtout, c'est important en assurant une certaine neutralité et une certaine représentativité de collectivité. On connaît très bien que l'on parle d'une période électorale comme ça, il faut faire très attention pour ne pas avoir l'impression qu'on a fait préférence dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que nous prenons pile précaution, nous faisons proposition sur 2 ou 3 options que CPT a qu'à utiliser pour identifier femmes à garçons qui a servi pour nous de maires et de membres de leadership communion de manière transparente et de manière participative. Et en plus de ça, on connaît que nous-mêmes, nous focus là sur mener jeunes garçons à jeunes femmes l'administration, chercher jeunes professionnels pour qu'à servir pendant la période de transition et n'attendre jusqu'à présent que CPT a nos dernières réponses parce qu'on rappelle que Mario n'en même pas et en conseil des ministres, il faut absolument donc que CPT a joué le rôle. Et nous espérons que jeudi, puisque on finit avec question CEP acte prioritaire ou de façon presque finie, n'a qu'à procéder rapidement là pour le Mairio. Mais pas seulement Mairio Gary, il y a un fait directeur général autour. Nous écrit CPT il y a à peu près 3 semaines pour nous rappeler que son bail est excessivement urgent. Et nous connaissons qu'il a réfléchi sur ça. Il y a plein de nous venir avec des propositions concrètes pour nous avancer. Évidemment, entre temps, nous écrit autour pour nous faire des propositions sur une manière de remplacer le directeur général qui t'a beaucoup plus participatif et beaucoup plus transparente. Nous t'ai proposé que, par exemple, nous fait carrément des appels à compétition pour des postes clés de directeur général, côté que nous gagnons des sentiments que soit gain corruption, mais soit gain mauvaise performance, qui t'a permis de jeunes femmes à jeunes garçons, un processus beaucoup plus compétitif pour participer dans l'État. Mais n'attendons, et nous espérons vraiment que d'ici la semaine prochaine, nous tournons, c'est pour la grande priorité que nous gagnons pour nous avancer sur le dossier ça. Jean-François. Salut GBBC, je salue PM nan, qui est même avec nous en ligne. Et question pour PM, il y a un scandale BNCA, c'est vous-même qui demandez ULCC pour lui enquêter sur la question ça. Maintenant, comment avance l'enquête là? Et vous connaissez que l'enquête là, son bail est totalement secret. Je n'ai aucun contact avec les responsables du LCC qui ont fait le travail. Et moi, nous tous, on attend que le bail conclusion sans a priori et évidemment sans idée préconçue. Maintenant, comment est-ce que l'ULCC saisit son dossier? Il y a 100 000 façons que le saisit. Et je pense que c'est une question de préférence pour t'amender responsable du LCC. Maintenant, pour le ministre, le problème est qu'a privé la douane avec CPS, etc. Est-ce qu'il y a une solution avec l'armée? Absolument, Gary, nous prenons des dispositions pour ça. Nous avons que nous augmenter présence nous l'an et APN, la présence de l'armée alors l'an APN avec dans toute zone ça. Nous créons task force qui travaille sous lui. La police détruit tout bâtiment qui en face APN est constitué des menaces pour bateau. Nous avons renforcé présence nous l'an mer. Nous prenons toute une série de dispositions pour que bateau en toute sécurité capable de commencer à retourner le plus rapidement que possible. Évidemment, ça arrivait au moment où on a fait l'autre opération, on est obligé
allouer aux ressources nous, de manière très, très judicieuse, même très, très content et satisfait du travail extraordinaire que DG Normil Rameau avec commandant et commandant Lormi a fait ensemble, ils ont réuni ensemble en task force avec APN, etc., pour résoudre chaque problème ça, avec les ressources que nous avons. En même temps, nous avons dit que force multinationale a tout appelé nous et au fur et à mesure, moins, ouais, je pense que la population commence à tout un peu situation à pas. Évidemment, bah, pas facile, mais moi-même, moi, ouais, que n'a pas avancé. Et gagner une situation qui est développée, côté gagner plusieurs journalistes qui doivent accompagner, ou Patrick doit accompagner, est-ce que vous avez nous deux, trois détails sur ça que fait, ou pas arrivé, joindre visa de courtoisie ça, pour être accompagné des délégations dans les Nations Unies? Gary, vraiment, visa, c'est toujours un privilège lié. C'est pour un droit. Donc, et généralement, ça me bataille, même on y fait, c'est conclu, quoi que ce soit, du sang pile fois, visa a pas passé pour des raisons, on a déjà une résidence, ou ben, on a fait une URL en application. Il y a 100 000 raisons pour lesquelles il y a qu'à bail ou pas bail visa. Ce que je peux confirmer qu'effectivement, c'est que nous invitons plusieurs journalistes à participer avec nous parce que nous pensons que l'événement, ça a été un événement très important. Et pour des raisons que moi-même, moi, pas Kabaou, la décision a été de ne pas leur accorder le visa. C'est ce que j'ai compris. Alors, le visa diplomatique qui est nécessaire pour eux de voyager avec notre délégation. Alors, okay. Bien entendu, forme de visa à ça. Mm-hmm. Et comment en relation en tout même avec Edgar Leblanc, puisqu'en fait, Guénèque dans l'opposition, qui a fait déclaration, il dit, c'est pouvoir besoin prendre, c'est-à-dire, et c'est où monter de toute pièce et blocage contre Edgar Leblanc. Et donc, il a demandé même Guénèque, qui sont leaders que tout le monde connaît, qui m'a dit pour te tourner pour capable bail Edgar Leblanc, place-toi parce qu'il n'y a pas de gain droit là. Qui répond soit bail pour le ministre. Président avec le premier ministre qu'il a. Donc, toujours il y a suffisamment de ressources pour tous les deux. La troisième chose, c'est que note de demande d'accréditation et de participation, la nationale, processus et assemblée générale là, les soumettre en même temps pour moi-même et président Leblanc. Et la note, ça a été clair que c'est président Leblanc qui est chef délégation. Donc, nous croyons que l'ambassade américaine, jeudi a même mis tout notre dehors, confirmant qu'effectivement, le président Leblanc a toute assistance qu'on accorde au chef d'État, ce que je crois qui est une très, très bonne chose. C'est beaucoup comme dernière décision, mais Sylvie a collaboré, coordonné et appuyé comme ça doit pour que mission haïtienne ait un succès pour Haïti. Et ça se résume à ça. Donc, jusqu'au moment où je te parle, les relations sont très, très bonnes. Bah, là, avec le président Leblanc régulièrement, nous aider, nous appuyer pour essayer de joindre nos solutions à un problème qui était gagné. Et nous, quoi, je dis, c'est déjà dû passer et n'a pas continué à avancer. Pour le ministre, ça veut dire, c'est qu'à passer dans CPTA, il n'y a pas gagné pour lui avec primature. Ça veut dire, quitte au Kembe et conseiller, quitte au parle là, quitte secteur, décider, primature, pas gagné pour lui dans ce qu'a fait là. Pas aucune manipulation qu'a fait. Non, mais absolument. Nous-mêmes, ouais, ça, Gary, depuis cinq, nous fait que cette semaine passée, nous présenter les 100 premiers jours, gouvernement, tout gouvernement, pas seulement primature, focus sur urgence et besoin peuple haïtien. Et nous présentons un bilan, nous comprenons que le peuple a souffri, nous comprenons que grand pile bagaille que faut faire, nous comprenons que avancer sous sécurité, trois ans, faut aller plus vite, même qu'à dire que le gouvernement réunit jour après jour à travailler de longues heures pour nous-mêmes en attendant comment on a résoudre problèmes réels que le peuple haïtien a confronté. Nous espérons qu'entre temps, évidemment, CPTA a besoin des solutions pour assurer que toujours fonctionnel. Très bien. Et pour le ministre qui sort de la population, capitaine de là, qu'on y a là, comme on parle là, le pays, et puis le président, là, dit, probablement capable de déplacer. Qui est-ce qui assure également le terrain bas? Pendant mon absence, le terrain est assuré par le ministre, la ministre des Finances, Képlène Florissal, et celle qui me remplace au ministre de l'Intérieur, c'est bien la ministre Suzanne, qui est là. Donc, je dis à la, les positions clés du gouvernement sont évidemment entre les mains de femmes et je pense que c'est une très, très bonne chose, Gary. Mais entre-temps, il y a des que nous sentons que le pays est de bonnes mains. Mais entre-temps, ça n'a pas dit population, c'est que nous n'avons pas avancé. Il y a des bonnes mains. Puis près que nous plus loin. Et il a senti que nous n'avons pas avancé. Et il m'a rappelé que nous n'avons pas fait back. Mais pour nous capables de réussir, il y a quatre éléments que nous avons besoin. Un, nous avons besoin de la communauté internationale à jouer au rôle, qui a des promesses, les mêmes gens font ça dans tout le pays. L'engagement sur Haïti, il faut nous rappeler que folle qui a des engagements. Que Timon Haïtien n'a pas mérité moins que l'autre Timon dans l'autre partie du monde qui a
souffrir. Je dis à même aide humanitaire, financée à moins que 35%, ce qui est inacceptable. Nous sommes là pour nous partenaires, nous, faut y faire plus et faut y faire plus vite. Deuxième bar là, évidemment, nous-mêmes, tout, faut utiliser ressources par nous mieux. Parce que nous gagnons capacité. Nous sommes un pays indépendant, autonome depuis trop longtemps. Donc, c'est pour savoir, pour le prochain budget, nous avons mis focus sur affaires sécurité, affaires humanitaires, affaires de l'école, affaires sociales, pour nous capables de voir comment nous avons sorti dans cette année-là. Donc, il faut que nous regardions pour voir comment nous avons utilisé l'asset, nous, et nous avons pris que le gouvernement a fait ça. Troisième chose que nous avons besoin, c'est l'implication de tous dans la question sécuritaire. Le minimum, je vois que la question sécuritaire, il a gagné la police et puis attendre de résoudre. Non. Nous-mêmes, nous avons une approche qui est beaucoup plus intégrée, qui est beaucoup plus stratégique, qui implique le ministère de l'Intérieur, la collectivité, qui implique la justice qui est renforcée, côté population, qui appuie par lui, pour nous capables de sortir dans cette année-là. Quatrième point, c'est que je dis à la, membre de la CEPO, nous commençons un processus qui est très important. En politique, je dis, donc, faut nous voir jusqu'à terme. Nous pourrons commencer à discuter très rapidement sur comment l'élection va faire dans le contexte haïtien. Donc, c'est quatre éléments sérieux que nous avons aimé la population. Ok. Premier ministre, excusez-moi, mais on va qui échappé. Et nous faisons deux entrevues avec nous dans le sud pays. Il y a un problème de produits de première nécessité et que nous avons vraiment en difficulté et parce que pas de moyens pour du produit de nécessité arriver. Est-ce que ou pataka réfléchi sur question ça parce que moun ki intervenu ont demandé même ils ont même adressé avant pour dire un problème sur ça qui sont capables dit moun dans grand studio qui gen problème parce que pas gen l'huile pas gen gaz pas gen du riz pas gen ça ou du tout produit alimentaire rarissime très rare côté gen l'eau très cher donc c'est une situation catastrophique qui gen dans le sud. Effectivement, Gary, juste avant de partir, ça, vous portez ça à mon attention, nous ferons une réunion. Sur ça, évidemment, on comprend qu'il y a trois composantes là-dedans. Il y a une composante pour nous reprendre tout l'ouvrir sous zone sud-là depuis, et particulièrement avec activité en matière de sécurité qui a fait dans zone grecier et danger que ça a posé pour route-là qui fermait depuis, et la police a opéré depuis plusieurs semaines pour être capable de restaurer l'espace-là. Deuxièmement, évidemment, nous, on a travaillé là avec l'autre et options que nous gagnons pour nous assurer que le produit est capable de arriver le plus rapidement que possible. Avant de partir, je demande le premier ministre à remplacer maintenant avec le ministère de la public, avec les polices ou l'armée pour chiter sur ça pour moi pour rapidement comment nous améliorer la situation. Je connais une réflexion qui a fait sur ça et matin, là, j'ai une discussion encore sur ça. Donc, j'espère que nous avons avec des solutions très rapides pour le monde dans le grand studio. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était Gary Conny qui, depuis Manhattan, dans New York City, eh bien, justement, l'État répond à une question GPPC. Et bon, nous tendez, en fait, ils comprennent. Est-ce que vous avez des commentaires? Sauf que Gary Conny fait Haïti tout un pays mendiant net. Marcher avec un bol blé dans mel, parce que son est consalé, pas faute lui. Ces activités, les publics, ils travaillent toute ville, ils travaillent dans l'organisation, dans l'UNICEF, dans toute bagage. Ça veut dire que c'est l'organisation qui produit des demandes tout le temps, chercher aide. Même si c'est oublié, si c'est pour le ministre de ton pays qui est lié. Haïti, qui a des ressources, nous ne disons pas que c'est suffisant, mais naturellement, nous sommes capables de jouer une coopération avec de l'autre pays, quelque part, nous sommes capables de jouer des supports. Mais, nous ne pouvons pas dire que ça va marcher en bol bleu, marcher en dé, dire tel, sortez bien la trop petit, faut bien plus, sortez bien la. Non, regardez qu'on y retire sur le papa. Venir en cela. Non, on paye pas qu'on a état ça. Comme si c'est mandé, tout bagage comme si non. Bon, comme si on pas fonctionner comme ça. Que peuple a pris engagement ni. Et moi, franchement, me dis-lui, oui. De honnête. Tout pas non, de honnête. Par contre, si la fête même Jean Ariel, là, par contre, qui formule te utilisé pour te mettre Ariel de yon, mais si tu es capable d'un TDDN avec Gary Conny, il t'a fait payer bien. Ou pas qu'on va régler là. Ou pas qu'on va régler là, non, papa. Tout la kayou, nan payou. Ou nan payou, la kayou, et madame ou, petit tout, tout femme ou, ou bon, yo ave ou, rete la kayou. Kounya la, si pep la te katou, pe problème ni etou, rete la kayou la, ki eskap pren, fo pep la te tout pote bouye ou te banongi Philippe la, men pep la, map gade nan patou prestan la. Grave, grave, alors grave. De toute façon, retire sur le camp, garçon. Retire. D'accord. Et c'est fini. Et Haïti, mais c'est réduit pays net.
On a le temps de Maslem Itil, arabe la parler, on a le temps de ça qu'il dit dans conférence de presse qu'il bail. Pour qu'on la vie meilleure pour frère, pour qu'on changement dans pays là, yo même, pour yo vinn jeté coup de l'eau dans habitation yo. Jodi a arabe vinn parler des tournages que nous t'ai fait dans semaine passée à là, côté nous connaît que arabe t'ai passé dans tête Pontimiska, pas Keskof, pour nous tomber Kajak, pour nous montrer le monde entier dans qui état faut accès nous yo à vivre dans 21e siècle. Et tandis que gen l'état ça c'est dans hélicoptère là il besoin grain de vote il prend petit paysan yo dans Keskof mon Timiska mon Kajak. Mais depuis yo fin fait petit paysan yo voter yo yo pas reconnaître yo jodi a lo regarde ou même qui jeune garçon qui des test falaise ou pas ka monter femme 7 9 mois li marron corps de bâti vente li c'est où la poule en bas mon nan c'est où la poule parce qu'il faut le chercher la vie pour petit li même petit paysan ça l'elle vini Port-au-Prince avec tichay là gon bandit taxé lui puis fort cob tichay là c'est bandit mangel bandit l'état parce que pas gon grand bandit pas gon qui pas gon l'état derrière yo qui pas gon chef en deux politique là derrière yo. Je dis à l'arabe, t'es passé dans la tête mon Kajak, ça fait trois voyages, je suis passé dans la zone. Et je me déplacé à un staff journaliste pour me montrer. Mais dans qui état il faut accès à vivre, femme enceinte, personnage. Là, il faut faire jardin. Jardin a été graspillé. Il n'y a pas qu'à venir pour ton prince avec les côtes là pour vendre. Parce que côté falaise, ça y est, monter avec un sac machin. Millet, pas qu'à monter falaise, non, mes amis. Millet! Pas qu'à monter falaise, mon Timiska. Millet, pas qu'à monter falaise, Kajak, gen l'État. Gen député, gen sénateur, sénateur l'Ouest, yo, les affaires campagne, ces zones les a remettre. Son zone qui charge moun, qui fout la moun. Les élections, yo mette hélicoptère disponible pour yo al prendre paysan yo, mené yo al voter, mené yo tourner. Depuis yo fin fait sauver gen vote là, yo pas besoin yo encore. Ça t'a fait mal en pile pour m'ta montrer haïtien frère Maxe Mayo. On série des belles monuments qu'a graspillé, belle tête roche côté on al faire film. Al faire bel montage pour faire film pour étrangers. Tandis que c'est là dans pays noir oui. Biden ça entendait qui mettait Biden tout monde après le vivre Biden. Mais par contre qu'est-ce ça te paraît pour nous? Tu pays avant oui, toute tête falaise aujourd'hui mais pour blanc et tel, mais pour George mais pour Bill Clinton, mais pour Hillary Clinton, mais pour George mais tout nèg yo gagne un bout de terre. Ce bout de terre pas de saline là. Moi avant hier qui c'est 20 septembre, gros paquet mascarade qu'a fait pas aller déposer j'ai fait. Tandis que c'est yo touyé des salines encore. Depuis ces gens qui passaient dans l'État, nous avons déposé, j'aime faire le pied de Saline. C'est assassin. C'est un film qui a fait. Parce que des Salines fâchées, des Salines engueillées, les regarder pour le petit pays, il n'y a pas vivre dans le pays. Des Salines mouillées, une dixième fois encore. Parce que les des Salines gardées, chaque jour, 100 ans, 7 tu as coulé. 100 petites, tu as coulé. Je dis, c'est même mon yo. Kou fait des salines, kou la mort des salines, yo a un j'aime faire, yo va le déposer. Déposer qui boit. Des salines pas recevoir frère ça yo. C'est film qu'a fait. Depuis c'est nèg qui passe dans l'état, li gon groupe gang derrière. Je dis alors dit il a pris gang, qui est-ce qui bail tirer pris zam? Qui est-ce qui bail zo zam? Qui est-ce qui bail barbecue zam? Qui est-ce qui bail chez méchant? Jeff Canaran, qui est-ce qui bail zam? Yo pas monté avion, yo pas prend bateau y a l'acheter zam. C'est même l'État nous. Il y a 4 côtes sous la mer. Même si Zamna t'a venu dans le bateau. Pour qui ça a 4 côtes sous la mer? Je dis à Nbarre, ça a fait là. Nous voyons son pays qui vend. Pays à vendre. Où mon couple est le couple avec pays à vendre. Prends ça, fais TikTok avec elle. Pays d'Haïti vend. Je dis à moi-même, arabe. Moi, je dis peuple haïtien. Levez campé. Je demande la diaspora. Lève campé, a fait nous un petit groupe gang pour la Nations Unies, pour le faire caca, tout sérieux. Pays avant. Les mouvés dans la ville provinciale. Ça m'a courage pour me battre. Ça m'a force pour me battre. A quelqu'un me joigne. Non mes paysans, non mes femmes, dans la ville provinciale. Ça dit arabe,
continuer goumen. Wa bataille pour nous. Jodi a, si c'est pendant ma bataille, moi tombé, m'a senti ça avec une louange qui me tombé. Mais qu'aim coucher pour m'a tant l'état peuple ça, l'état gang ça pour changer pays. Là, m'a senti mal tombé parce que c'est pas qu'on l'état qui a changé pays là, c'est nous qui nous mettons nous ensemble. Est-ce que nous ouais, petit paysan yo dans Jacques Mel. Depuis là que nous connaissons, yo t'ai arrêté arabe Alboel, kidnappé arabe Alboel en prison. Jou prison cassé yo courir mais arabe assassiné. Les récits par là petit paysan ça, ils font tableau qui était pour moi côté moi descendre dans Jacques Mel. Est-ce que nous ouais? Qui veut dire petit paysan yo, c'est yo qui a venu pays là. Grâce à diaspora qui ballon un atelier artisanat pour faire toutes sortes de monuments pour vendre image pays là. Tableau arabe ça, il dit regardez pendant la fête tableau, n'est pas 30 monde mandel pour faire tableau arabe. Parce que c'est arabe à bataille pour un pays, pour un peuple. Même si peuple là 90% là dans tête en bas. Mais green sa tête ni en l'air, il connait monde cavel. Pas gon l'état pour vendre monument nous yo. Pas gon l'état, les jeunes n'ont qu'à faire effort. Aux États-Unis on jeune artiste qui qu'a fait image moun, tape gon l'état qu'en cadel. T'as bon l'État qui pour penser pour lui. Mais malheureusement, Haïti, tout ça que t'as de fait en faveur peuple là, il virait contre peuple là. Je dis à Arabe, a demandé chaque grain haïtien conséquent nous. Levez campé. Levez campé pour nous défendre l'intégrité nous. Levez campé pour nous sauver la vie nous, que nous mourir déjà. Et c'est la bataille de Bagouye. Par contre, quel nègre dans l'État qui vit là, qui veut le changement vrai, c'est pas chaud, vin plein. Je dis à l'heure où l'Arabe prend un bateau pèlerinage à faire tourner. C'est pour le dire, peuple haïtien. Petit paysan, yo. Levez campé! Parce que dans le jour où vient là, il y a un gros levé campé. Dans le Grand Sud. Pour pas Saint-Louis, pas Bédimel. Une équipe assassin campé, ils ont imposé pour ouvrir. Parce que y a un groupe gang qui a créé la route nationale. Matissan. C'est un créé. Jou ke yon zo bagen bal, ge 50 moun nan l'état pour voye bal bali. Ge 50 moun nan secteur privé pour voye bal bali. Nou pa ka pran sel izo, pou nan di se gang. Nou pa ka pran sel ti la pri pou nan di nèg sa yo. Se gang sa pa tout gang, et moun ka voye bal ba yo a. Et moun ka voye munition ba yo a. Et moun ka voye galil ba yo a. Yo pa gang? Gari koni vin na, li jou la kwape bandi. Bon, ou kon tout machan bal yo, machan galil yo. Ou pa pran yon. Et se yot bo koto. KM Gary koni fait 12 ans pas dans pays là mais faut attendre ou équipe bandi légal là ces armes balé vendre faut attendre côté ou tout monde qui fait partie des craie présidentiel là ces balles ces armes y a vendre avant hier là faut attendre si la pri cap dou puis faut balle l'acheter c'est dans main Claude Joseph faut attendre la si la pri dou puis faut green balle l'acheter c'est dans main Claude Joseph faut attendre si la pri dou premier zam dingé c'est Michel Malfini de Balil. C'est Michel Malfini qui a été le premier ami. Je dis, Souka choisi Tilapri comme gang, ça m'a été lié. Toute campagne nous est faite, vous parlez de Timon école, vous parlez de mon cash, moi c'est film. Moi c'est film qui a fait. Moi-même, si l'État a choisi d'aider vous, dans le Timon école, vous dit l'État, entrez dans chaque établissement, soit vous 20 000 gouttes pour parler de Timon, contrôlez combien de Timon qui sont dans la salle de classe là. Bay 20 000 gouttes pour chaque Simon qui sous ban. Parce que dans chaque établissement, 20 000 gouttes bay la, bay li à chaque Simon. Pour parents Simon, yo konnen. Si l'école la paye 25 000 gouttes, parents remettre 5 000 gouttes là. Mais on konnen te bay 20 000 gouttes. Mais quand t'as autant de moun dou, yo pral voye par mon cash, son petit goût volé, son petit goût voyou, qui pral recevoir comme ça. Même je pour cantine scolaire, Madame Delatou, dans PNCS. Il y a plus que 100 personnes qui vont manger cantine populaire pour lui. Est-ce que nous, nous j'aimerais quand il y a des gens manger l'école? Nous j'aimerais quand on plaque pour séparer dans la classe d'école? Madame de la tour de tête PNCS, c'est cantine scolaire, c'est bail, mais le programme n'est pas 100 personnes pour vendre manger pour lui. On a l'air dans Fayez. Fayez qui joue une cantine populaire. Il dit qu'il va manger à 25 gouttes. Moi-même, j'ai des gens. Je connais bien. Là, dans Delma, il y a 45 cantines, pas 3 qui fonctionnent. Là, dans Delma, il y a 45 cantines populaires, pas 3 qui fonctionnent, non? Depuis que vous mangez, vous êtes militants. Premier, ça, vous faites, vous mangez et achetez des balles avec.
ouais même gars il connaît ça qui là il va le fiser l'autre semaine là oui même militant ça yo parce que faut que yo jeune manger pour yo vendre parce que gars il connaît tout il va stopper gargotte ça va fait là il va stopper il va le fiser lui parce que gargotte ça qui là il doit stopper et me camper derrière gars il connaît pour stopper gargotte ça néglage ou lycée militant tandis que chaque là la cantine populaire pour faire manger pour population hôtelière il va manger à l'acheter balle l'acheter zam Pétionville il y a 45 cantines populaires. Je ne sais pas si il y a 3 qui ont fonctionné. 3 graines nous jeunes qui ont fonctionné. Il y a 20 pifons à manger. Oui? Et si vous mangez offert pendant un mois, vous avez offert, vous avez 30 dollars, l'État a 25 gouttes. Vous avez l'ordre pour vous manger à 25 gouttes. Vous avez 30 dollars. Ça montre que pas pour l'État. Mais si vous avez une vie là, vous avez une marée vacante. Vous avez dit bravo, vous avez une vie. Si vous avez une vie, la ponton équipe sécurité, accompagné, superviseur, accompagné des juges de paix, yo pas manger ya, ou pas faire, pas bayo jou a passer visiter yo. Ou visiter yo sans attendre. Pendant à visiter yo, ou à tout juge de paix, ou à toute la police ou staff sécurité avec yo, pour cantine côté bay moun nan. Ou pas rentre dans zone, non pas une cantine nan maril, fait 10 ans prison. Moun ki cantine nan maril, cantine scolaire. Depuis que moun prend micro devant la presse première salle du grand goût. C'est pas bagay moun abdim. L'État baye manger à vrai. L'État baye manger cantine populaire au vrai. Non moi, yo baye manger à deux fois. 40 gros sacs d'huile 18 par mitan. 10 gros bidons d'huile 5 gallons. Yo baye saumon, yo baye poire, yo baye tout bagay. Et yo baye 50 000 gouttes derrière. Est-ce que manger au fait? Si m'a parlé pour peuple, faut parler ça. Gagne qui pas besoin sans mi arabe. Parce que l'arabe vient toucher point yo, même si tu connais l'aime dans le téléphone, bon voyou, bon gang, parlez l'aime. Depuis c'est moun qui a vend manger scolaire, parlez l'aime. Parce que nan moun dan, manger peuple là, deux jeunes peuple là. Nan Dalmagi, nan la presse, map mette yo de yo. Et mette map mette yo de yo. C'est parce que Guy Philippe sensible pour monsieur dame sa yo qui derrière baou. Guy Philippe dit arabe, c'est frère ou qui derrière baou, c'est soeur qui derrière baou. Mais grand nan moun dan mette yo de yo. Et m'a mette yo dehors parce que moi Guy Philippe prend ça en charge. Même moun ki te mette dehors, il doit mettre yo dehors. C'est là m'a loué est-ce que arabe gon pouvoir. C'est là m'a loué est-ce que arabe gon pouvoir. Semaine ça m'bay gouvernement dernière semaine pour nèg messieurs dames be sap moi dehors. C'est là m'a loué est-ce que gars koni pa vinn faire politique sale à terre. Parce que nèg yo pa t'en voler. Le patin kidnapping, le patin assassinat, tout simplement, yo t'a revendiqué pour gon la vie meilleur. Yo t'a revendiqué pour gon bon révolution, pour gon bon jan condition la vie pour ça qui pi mal yo. Je veux dire, et pas carré même depuis 7 février derba ou. Lèm te rivé dans prison, m'te wè nan état yo. Moi dis nous semaine k'ap vini ki la même, nèg yo dwe deyò et l'état pays m dwe tande la raison. Tande nèg yo, libéré nèg yo parce que nous k'ta fait tout processus légal pour nèg yo deyò. Et y ap deyò un grand monde, laisse moi voir, est-ce que j'entends la dire le pétio dehors? Mais je te le dis, je te le dis, qui pouvoir le prendre? Je te le dis, c'est Garigoni, il a pris pouvoir. Qui pouvoir, j'entends le prendre? Ou seul monde qui a battu à terre là, Rélé Guy Philippe. Tout le monde qui a fait caca là, manger à chercher. Mais nous, elle va jamais mettre la terre là, ça passe. Guy Philippe, il est normal pour le replier, pour le voir qui s'en va aller, lui même pour le renforcer force, pour le prendre qui j'ai la bête la terre. Mais même parler, nous pas elle parler même. Non, Guy Philippe, pas de parler pour le parler. Maître révolution les Guy Philippe, il va parler pour le parler non. Je dis à tout le monde qui vient jeune Guy Philippe depuis au besoin faire non yo, yo vient jeune Guy Philippe. Est-ce que j'entends aller pas dans bon côté Guy Philippe pour te connoue elle? Mais qu'on y a le bon côté maître. Caleb Jean-Baptiste, ou tande yo diou, yo pral en cour de cassation, yo pral prend président dans cour de cassation, c'est même volé Ariel yo besoin mettre pour déchapier pour yo, mais nous même nous reconnaître pour seul monde. Si pouvoir ça chavirer, c'est seul Guy Philippe qui crédible. Qui a pris le pouvoir? Qui pile le monde? T'as tout gagné les chauds. C'est quoi là avec pile le monde qui mettait dehors? Chaque monde qui était dans la réal, il y a 2500 gouttes d'amel. Chaque monde qui était dans la réal, j'ai dit, ah mais lui, il reste si elle perd du poids, c'est tout bon. Là, il y a 2500 gouttes d'amel chaque monde. Et puis, il prend 10 vacances, il vient bouler caoutchouc sous des macades. Il y a un fun de monde à faire au couille. Voilà. C'était Master Métil, Negara Blanc, qui t'a parlé de Jean-Tel Joseph. Bon, tout le monde connaît. Qui est-ce qui Jean-Tel? Moi, je me dis déjà, pour ils ont pas m'bavre avec Jean-Tel. Pas besoin de tourner sur ça encore, mais sauf que, qui commande à Guy Philippe assumer responsabilité en tant que vrai leader pour que combat ça, tout le monde connaît, c'est où qui gagne leadership. Ce n'est pas
tout d'assommant bluffer qui vient prendre au libre sous dossier ça et par la suite pour aller régler les affaires personnelles yo. Et combat ça l'irrité combat peuple là et que tout peuple prend engagement yo prend responsabilité yo pour que nous permettre que pays a soutenir ça qu'elle trouve là ou tout arrive en Haïti c'est bluff avec avion pour venir ramasser données pour l'aller mentir dans Nations Unies comme quoi qu'elle arrive à Haïti. Image ça m'pap jamais oublier n'a toujours passé là nous pas jamais oublier et n'a toujours passé crédit vidéo pour tout porter à la caille. Mene. Ça c'est William Ruto, président pays Kenya qui est rentré en Haïti. Eh bien justement, après ça, pour te voler, pour te laguer pied pour New York. Il y a un président qui lève cette traite qui te prend ou libre avion pour laguer New York tout. Juste pour la faire photo. Peuple haïtien, n'a va comprendre effectivement qui ça qu'on prend. Que bon Dieu bénisse chaque grand nous, que bon Dieu bénisse Haïti. Kembe là, moi men nous en pile. Madame Evelyne, lui me saluer.